Konnichiwa les Kibishi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon et aujourd'hui, eh ben on va faire un petit point, j'ai bien avancé, je suis habillée en pirate, c'est parce que j'ai bien avancé, j'ai quasiment fini mais je suis un peu sceptique, il va falloir vraiment que vous m'aidiez parce que je sais pas trop si c'est bien ce que j'ai fait pour le coin pirate des Caraïbes, je vous avouerai avoir été un peu en panne d'inspiration et je me suis pas trop inspirée en regardant Pinterest ni... Ni Instagram, mais j'aurais peut-être dû, mais j'avais très envie de vite faire le coin là, et bah du coup bah, je vais vous emmener, et on va faire, alors vous savez ce qu'on va faire, on va aller déplacer, on va aller voir la boutique des petits choupidous d'amour, où c'est qu'on peut la placer, parce que vous m'avez suggéré pas mal de choses, mais je sais pas si ça rentre ou si ça rentre pas, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller récupérer tout de suite dans un premier temps la boutique, et vous en attendant, ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et ben abonnez-vous, et puis bah, mettez un petit like, le petit like qui fait plaisir, et du coup vous m'aviez dit que ça serait cool de mettre la boutique ici, c'est une très bonne idée, je sais pas si ça rentre, hein. Mais effectivement, c'est vrai que ça pourrait être sympa et ça ferait bah, une petite boutique pour faire genre la place avec la fontaine et tout ça, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Bref, c'est parti, je go récupérer la boutique. Alors, c'est parti. Hello, monsieur Crotomnook et la petite Marie. Alors, on récupère la boutique, évidemment. On va aller se connecter à la borne du Nookstop pour voir s'il n'y a pas, vous savez, le... la cloison que dont je vous parlais, c'est pas une cloison, c'est une clôture. Oh là là, j'arrête pas de dire. Hier, j'ai dit ça aussi dans la vidéo. Pas hier, avant-hier. J'ai dit clôture, c'est pas une clôture. C'est pas une cloison, c'est une clôture. Oh purée, je m'en mêle les pinceaux. Alors attendez, le magasin. Ok. 10 000 clochettes. Oh, heureusement, j'ai pile poil. Oh là là, j'ai pile poil. Faut que je reprenne des cloclos là. Faut que je reprenne des clocos parce que je vais être embêtée. Je vais avoir envie de prendre un truc et puis je vais me retrouver sans argent. Et après, il va falloir que je me reconnecte. Et c'est relou, ça fait perdre du temps de ouf. Ok, il est d'accord. Je sais pas si c'est Mélie ou si c'est Mélo. Je crois que c'est Mélo. Allez, j'ai le kit sur moi. C'est parfait. Je regarde juste rapidement. Est-ce qu'il y a des choses dans la boîte? Non, il y a juste une boîte en carton. Je récupère pas. Et c'est parti. Connexion au Nookstop. Ah là, ça serait trop bien. Il me semble que les clôtures que je cherche, c'est la clôture épineux. Je crois que c'est épineux, me semble-t-il. Alors, clôture manoir et rondin. Oh là là. J'ai déjà. Et ça, j'ai peut-être. J'ai peut-être pas. Veux-tu quand même l'échanger? Ah, je l'ai déjà. Non. Ok, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Et bon, bah non, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Par contre, je vais juste récupérer des cloclos. Et après, on va aller voir pour la boutique si on peut la placer. Si on peut la placer juste à côté. Alors, retrait. On va prendre comme d'hab 99 000. Nickel. Et je regarde très rapidement. Dans le Nook Shopping. Oh purée, c'est matinée shopping. Livre, trottinette, donjon, j'ai déjà. C'est les musiques que j'ai pas tout ici. Flânerie, je sais pas si j'ai... J'achète. Au pire, franchement, c'est pas grave. T'as commandé, t'as ok. Et il y a des trucs... oh oui, ça c'était pour la journée de la Terre, je crois. Truc de balle de promo. Pourquoi pas? Je sais pas si j'ai... Je pense que j'ai dû récupérer peut-être des autres îles. Mais c'est pas grave. Je récupère quand même. Et là, non, mais il n'y a rien d'autre. Ok, c'était le petit shopping du jour. Et ben, j'espère que ça va... Je sais pas, j'espère que ça va passer. Ça pourrait être très sympa. J'aimais bien votre suggestion. Franchement, j'y avais pas pensé, quoi. Allez, c'est parti. Allez, alors, voyons voir. Est-ce que cette boutique, elle passe ici? Franchement, je pense pas. Franchement, je pense pas qu'elle passe, là, hein. Parce que si je la mets là, après on peut plus passer, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, elle est immense. Oh, c'est immense, même à côté, là, je suis sûre que ça passe pas, là, ici. Hein. Non, 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 ça passe absolument pas du tout. Elle est très grande. Oh, là, je peux pas agrandir, même si j'agrandissais, ça irait pas. Et puis là, je peux pas la mettre comme ça en plein milieu, parce que je pense que là, ça pourrait rentrer, genre comme ça. Mais ça peut pas le faire, ici. Non, même pas. C'est beaucoup trop près de la place. Non, mais ça rentre pas. Zut, zut, zut. Et même si j'essaie de la placer genre là... Attendez voir. Ah non, non. Bon, bah tant pis, hein. Tant pis, ça passe pas. Au moins, on aura essayé. Je vais tester aussi du côté d'où moi je pensais. Et ben, j'ai un doute que ça passe, hein, du coup. Hein. Vraiment, je pense pas que ça passe, du coup. Ah là là, attendez, on va voir.
On va voir. Genre là. Ah, ça passe. Attendez. Moi, je voudrais que ce soit très collé. Je voudrais que ce soit collé pile poil. Oh, encore. C'est le caillou qui me gêne là. J'ai pas un fruit sur moi? Non. Oh, si je me mets là, ça va pas rentrer. Ah si, mais ça va enlever les clôtures en fait. Ah, je peux pas. Je peux pas parce que même là, ça se mettrait sur la falaise. Je pense que ça se mettrait sur la falaise. Ah si. Il faut que je pète le caillou. Il faut que je pète le caillou. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ça se trouve, je suis en train de dire ça. Et en vrai, c'est pas du tout ça. Attendez, je vais récupérer un fruit. Et je pète le caillou. Je veux absolument voir ce que ça va donner. Et je pense qu'à mon avis, comme moi, j'imagine dans ma tête, ça pourrait être sympa. Si ça se trouve, je me trompe. Hein. Il y a un arbre à fruits là, non? Ah, yes, il y a des pommes. Parfait. Alors, hop, bon, je récupère toutes les pommes parce que voilà. Tu t'amuses, mon bébé? Elle s'amuse, Maeve, à côté. Alors, ah, du jeu moqueur. Et pète et volons ensemble. Alors, tut tut. Alors, voyons voir. Alors, c'est parti. Dans le ciel et comptons ensemble jusqu'à 10. Oui, ben c'est normal que je connaisse la musique par cœur, hein. Alors, on avait dit, genre là. C'est là où elle était la pierre, le rocher. Alors. Oh, ça rentre pas. Ça rentre pas. Du coup, faut vraiment. Bon, comme ça, au moins, j'aurais testé, hein. Je veux être sûre. Bon. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je pense que ici, pour ça peut être. C'est une boutique souvenir, en vrai, hein. Eh ben. Ici, c'est pas fait. Allez, pousse-toi, Fanny, là. Ok, je pense que c'est cool. Après, on mettra évidemment des choses autour et tout, mais je pense que c'est sympa. Et puis, ça peut faire une petite transition. On peut essayer de faire quelque chose de sympa. Bon, écoutez, pour l'instant, de toute façon, c'est ici. Non, j'ai toujours pas là-bas. Ici, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je continue. Ouais, là, il va falloir vraiment que je continue. Je regarde juste s'il n'y a pas une bouteille à la mer. Non, pas de bouteille à la mer. Et ben, c'est parti. Par où je vais faire le tour? Donc, pour qu'on puisse arriver tout de suite. Ah, j'ai enlevé l'échelle de l'autre côté, donc on va même pas pouvoir passer par le musée. On va faire le tour. C'est pas grave, on va faire le tour par ici. Bon, j'espère vraiment. En vrai, en plus, c'est l'entrée, donc en vrai, c'est mieux de passer par ici. Parce que j'avais fait un espèce de petit raccourci, mais je l'ai enlevé. Parce que du coup, j'ai mis des meubles et ça passait plus du tout. Ça passait plus du tout. Et cette nuit, j'ai pas arrêté de penser, pendant que j'étais en train de faire le côté Pirates des Caraïbes, j'ai pas arrêté de penser à ici. Il va falloir vraiment que je teste le motif pour. Ouais, faut vraiment que je teste le motif pour vraiment voir qu'est-ce qui va se passer ici. Parce que si ça se trouve, je vais tout changer. Si ça me plaît pas au niveau du motif neige, ça va pas le faire, hein. Bref, bon, on traverse chez Maléfique. Et voilà, on arrive du côté, eh bien, de Pirates des Caraïbes. Alors, je vous explique, j'ai fait quelque chose de plutôt boutique. J'ai fait quelque chose de boutique et j'ai voulu qu'on ait l'impression qu'on soit sur un bateau. Mais du coup, je trouvais, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez, j'ai trouvé que du coup, eh ben, les grilles de prison, ça fait pas trop bateau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça fait très pirate, évidemment, mais ça fait quand même pas trop. Je sais pas, je sais pas. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Du coup, j'ai mis les petits. J'ai exposé comme ça les petits bonhommes, enfin les petites tenues pour faire comme si c'était des bonhommes. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez parce que à la base, je suis pas trop fan de ce genre de déco, genre de mettre les petits bonhommes, ça fait un peu fake, je sais pas. Et du coup, eh ben, j'ai mis des choses, eh ben, j'ai mis la machine à papa et la machine à pop-corn parce qu'on est dans une boutique et je suis partie du principe que comme la maison de Néferti était une boutique, pourquoi pas faire la continuité d'une boutique souvenir tout simplement. J'ai mis des stands, alors j'ai mis les motifs de Disney. J'ai mis les petites, comme si c'était des petites dames derrière dans les tenues ben, de pirates. Le coffre juste ici. Ici, eh ben, c'est comme si on était ben, dans le bateau avec le trône et puis la barre juste en face. Et j'ai trouvé que c'était hyper sympa de mettre derrière les paravents coquillages marron. Et j'avais envie de mettre un peu de cette collection coquillage un peu en marron un peu partout. Mais j'ai testé et c'était pas terrible. Oh, ça rendait pas très bien.
vraiment ça rendait pas bien. Bon, évidemment, la musique, c'est pas du tout la musique qui est adaptée, mais j'ai pas encore c'est Adventure, je crois qu'elle s'appelle, la musique de Keke. Ici, j'ai mis ça pour les plages et je trouvais que les plages, eh ben c'était bien, j'avais pas envie de trop décorer. J'avais envie de faire le minimum et ben comme ça, je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est largement suffisant. Et peut-être mettre des flambeaux. Ah ouais, je pense qu'à mon avis des flambeaux c'est cool, mais j'avais envie surtout de mettre les lampes coquillages poissons parce que j'avais envie que ça fasse pas trop, comment dire, que ça fasse pirate des Caraïbes mais hyper classe. Et comme j'ai déjà mis les flambeaux à côté dans le coin, et ben Indiana Jones, je me suis dit que pour changer, ça pourrait être sympa de faire comme ça. C'est un peu vide. Moi je trouve que c'est un peu vide, il manque encore peut-être... Je devrais rajouter des tonneaux. Ouais, je devrais peut-être rajouter des tonneaux. N'hésitez pas évidemment à me dire si vous avez des suggestions. Je pense que la pépite et la perle ici, ça pourrait être posé peut-être autre part et peut-être trouver des objets. Peut-être la couronne que j'ai sur moi, peut-être l'exposer à vendre. Ça pourrait être plus dans le thème d'une boutique souvenir que la pépite d'or et la perle. Voilà un petit peu le petit coin. Mais bon, ça me... J'aime bien quand même, mais je pense qu'il manque des choses. Il manque des choses, c'est peut-être un peu vide, mais l'idée me plaît assez. Voilà. Bon, et ben, j'ai trop hâte de voir ce que vous allez dire pour ce petit coin. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, j'ai même pas montré en début la carte de l'île. Et ben, voici la carte de l'île. On est sur Fantaisie. Et je pense qu'on peut dire maintenant que j'ai fini l'île à 80%. Je pense que l'île est finie à 80%. J'ai encore deux habitants que j'aimerais avoir que j'ai pas. J'aimerais Colette et j'aimerais Marina. Colette pour faire Vaiana et Colette et pardon. Colette pour faire Vaiana et Marina pour faire la petite sirène. Voilà. J'attends juste d'avoir déplacé la boutique qu'on vient de déplacer aujourd'hui. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir ensuite déplacer la maison, j'allais dire, d'Aster. Mais non, regardez. Qui j'ai récupéré en aléatoire parce qu'évidemment, tête de linotte que je suis, j'ai oublié de chasser la parcelle de terrain que j'avais de libre d'Aster. Et ben c'est, je sais pas si vous avez reconnu sa maison, ben regardez, c'est tadam, c'est Candy. C'est Candy que j'ai récupéré sur cette île là qu'on gardera pas évidemment parce qu'elle fait pas partie du thème. Je regardais juste derrière s'il y avait pas la bouteille à la mer, mais du coup voilà, tête de linotte que je suis, j'ai oublié de chasser la parcelle et du coup, et bien Candy est Candy est sur l'île. Bon, c'est cool, hein. En vrai, j'ai que des habitants incroyables en aléatoire. Bref, on récupère la bouteille à la mer. Voyons voir qu'est-ce que c'est qu'on récupère aujourd'hui. Eh ben, le liro. Oh, j'ai pas ça. Le liro, c'est parfait pour faire une pièce. Pour faire. Et pas une pièce. Ah non, peut-être pas une pièce. Ah, peut-être que... Ah, je sais pas. Ah là là, je sais pas si on utiliserait ce lit là, je vous montre à quoi il ressemble, il est magnifique, pour faire Blanche-Neige. Mais peut-être que le lit de Serena serait peut-être mieux, plus joli. Attendez voir, attendez, il était peut-être plus haut. Ah, il est tout en haut vu que c'est un nouveau plan, purée. Alors attention, voilà, magnifique ce lit, il est magnifique, j'ai magnifique, vraiment incroyable. Bref, ici, on va déplacer la maison de Colette. On la mettra ici, Colette que j'ai pas encore évidemment, qui est pour l'instant la maison de Candy. Mais je pense que la maison de Colette, du coup, viendra ici ou ici. Enfin voilà, par là, parce que j'aimerais que ce soit la plage qui lui soit réservée ici, parce qu'il y a plus de place, je pense. Bref, allons voir un petit peu qu'est-ce qu'on a de sympa chez les petits choubidous d'amour. En plus, comme j'ai fait le plein de clo-clo, et ben c'est parti pour le shopping. Hello, hello les petits choubidous. Bon, alors voyons voir, la cabine de douche, ça peut être sympa, parce que ça, je pense pas avoir catalogué. 110 000 clochettes. Je peux pas acheter. Et ben c'est pas grave, je repasserai plus tard. C'est quoi à côté? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Une cloison simple courte. Intéressant. Très, très, très intéressant. J'achète direct. Le fauteuil, franchement, ouais, vous savez quoi, je le catalogue quand même. Je le catalogue parce que je trouve pas ouf. Il n'est pas très beau, le fauteuil de ministre. Mais c'est pas très grave, on achète, on catalogue, on veut tout avoir. On sait jamais si un jour j'ai besoin. Et puis cette île-là, on a dit que ça serait mon île principale, donc je pense qu'à mon avis, j'y toucherai plus. Le riz sauté, il est juste incroyable, il donne faim de ouf, même s'il est juste 11h30. Enfin, 11h30 quand même, c'est presque midi.
L'heure de manger. Je catalogue le réveil aussi à côté. Ok. Et ben c'est parti, c'est nickel. Le petit catalogage du jour. Je sais pas si ça se dit, on a inventé un nouveau verbe. Allez, salut! Ok, bon, voilà. Bon, je ne vous refais pas revisiter l'île. J'ai pas changé autre chose. Sur l'île, on traverse la forêt de Sven et de Bibi. Et on va aller se diriger, évidemment, vers eh bien, le coin pirate des Caraïbes. Parce que c'est quand même le thème du jour. Et vraiment, n'hésitez vraiment pas à me dire. Hein, voilà. Je suis plutôt sceptique. Je m'attendais pas. Peut-être que c'est. Peut-être que. Je sais pas. Il y a quelque chose qui. Je sais pas. Il y a un truc qui me. Il y a un truc qui me dérange, il manque quelque chose et je sais pas quoi, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il manque. Vraiment, je sais pas. J'ai hâte de vous lire et je pense qu'à mon avis, ce soir, vous savez ce que je vais faire. Eh ben, je vais aller faire un tour sur Pinterest et je vais regarder un petit peu s'il n'y a pas moyen de trouver de l'inspi. Parce qu'en vrai, je pense qu'à mon avis, j'ai besoin d'inspiration. Ouais, j'ai besoin de m'inspirer et c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à faire quelque chose et que j'ai l'impression qu'il manque. Qu'il manque quelque chose. Bref, si ça se trouve, ça ne va plus du tout être ça. Et ça va être totalement autre chose. Peut-être trouver aussi un motif plutôt Pirates des Caraïbes pour mettre sur les stands. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que vous l'avez compris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à mettre le petit like parce que ça fait plaisir et ça soutient de ouf. Maëve, elle est en train de faire je ne sais pas quoi. Elle fait du vocalisme. Je ne sais pas à qui elle parle. Je ne sais pas. Je crois qu'elle peut, elle parle à la chaise. Elle parle à ma chaise de bureau. C'est pas une chaise de bureau, c'est une chaise de gaming. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur un live. Des bisous les kébéchés.